non jamais tout seul, mon Dieu. Gloire à qui, tu avais dit que tu seras avec nous. Jusqu'à la fin des temps. Tu ne nous abandonneras jamais, Seigneur. Qu'il vienne le soir, qu'il vienne le matin, mon Dieu. Toi, tu seras toujours avec nous, Seigneur. Même là où nous sommes rejetés, Seigneur. Même là où nous sommes abandonnés, oh Dieu. Même si nous nous retrouvons en pleine forêt, Seigneur. Même si l'on nous jetait dans la fosse profonde, oh Dieu, tu seras toujours avec nous, Seigneur. Même dans notre temps, dans les séjours des morts, tu seras toujours avec nous, oh Dieu. Tu ne nous abandonneras jamais, Seigneur. S'il y a des gens qui peuvent être abandonnés sous ces oreilles, Amen. Amen. Encore une fois.
parce qu'il nous a donné l'occasion, l'opportunité de ce matin. Cela n'est pas donné à tout le monde, frère. Mais le Seigneur nous l'a donné. C'est pourquoi nous lui sommes infiniment reconnaissants. Nous avons traversé toute l'année. Et nous sommes parvenus au dernier jour. Vraiment que le Seigneur soit béni. Nous avons connu des accidents. Mais les accidents ne nous ont pas emportés. Parce que le Seigneur a été avec nous. Nous avons connu des maladies. Mais le Seigneur nous a guéris. On a même connu l'opprobre des hommes. Mais le Seigneur a toujours été de notre camp. Vraiment que son nom soit loué, frère. Comme moi, par exemple. Je bénis le Seigneur parce que j'ai connu beaucoup d'accidents cette année. Mais je me retrouve au dernier jour de l'année. Ce n'est pas parce que je fournis mes propres efforts. Mais le Seigneur m'a gardé. Mais le Seigneur m'a soutenu. C'est pourquoi on doit toujours lui être reconnaissant. Quand tu viens devant le Seigneur, il faut toujours être dans la joie. Parce qu'il fait des merveilles pour nous. Là où les gens t'avaient jeté dans la fosse, ils ont dit c'est fini pour toi. Ils attendent que les retombées t'arrivent pendant le jour. Et tes voix ont toujours marché. Là où ils avaient créé des fosses contre toi, pour que tu puisses te retrouver, et tes voix ont marché par-dessus. Parce que le Seigneur les avait toutes comblées. Là où il y avait des pièges, il y a même des maladies que tu as commises, c'était pour que tu meures. Mais le Seigneur a rompu tout ce filet. Et tu es sorti indemne, frère. Tu es ensemble avec les membres de ta famille. Tu es ensemble avec tes frères. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce du Seigneur. C'est pourquoi nous acclamons encore Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse l'ensemble de ce matin. Qu'il bénisse aussi l'homme de Dieu, Eliou. Qui nous a bénis durant toute la semaine. Et qui a été notre premier intervenant ce matin. Je crois que vous avez été bénis par cette parole. Amen. 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 Vous avez été richement bénis. Amen. Que le Seigneur les bénisse aussi. Mais qu'il te bénisse aussi toi, bien-aimé. Parce que tu n'es pas resté à la maison. Tu as compris que le lieu de bénédiction c'est ici dans l'église de Dieu. Le lieu de bénédiction c'est dans le culte à l'honneur de l'Éternel. Et quand bien même on a dit qu'on aura deux intervenants, mais cela ne t'a pas lassé. Amen. Amen. Tu as accepté de suivre toutes les deux interventions. Et c'est
c'est ça la nature d'un enfant de Dieu. Parce que David dit ceci: je me réjouis de ta parole comme si j'avais gagné un gros butin. Comme si j'avais gagné un grand butin. Voilà quand les gens vont à la guerre et qu'ils remportent la victoire sur leurs ennemis. Tout ce qu'ils emportent après la victoire, l'or, les vêtements précieux, l'argent, tous les biens, et même les villes qu'ils gagnent. La Bible dit que la parole de Dieu est plus que cela. Et que Dieu te bénisse parce que tu as considéré la parole à ce niveau-là. Nous, nous sommes de ceux-là qui aimons la parole. Parce que la parole nous fortifie. La parole nous donne la vie. La parole nous console. Et la parole fait des merveilles pour nous. Vraiment, que le Seigneur te bénisse richement. Nous allons exhorter un tout petit peu. Et puis nous allons passer dans la suite de nos programmes. Je désirerais seulement que vous restiez assis. On va faire la lecture, mais vous allez rester assis. Nous prenons Matthieu chapitre 27. Nous prenons le verset 38 jusqu'au verset 44. Avec, j'ai lu au nom de Jésus Christ. Matthieu 27, le verset 38 à 44. Matthieu 27, 38 à 44. J'ai lu au nom de Jésus Christ. Avec lui furent crucifiés deux brigands. Et le roi de Jésus. L'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient. Ils secouaient la tête en disant: toi qui as détruit le temple, toi qui détruis le temple, et qui les rebâtit en trois jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens s'est moqué aussi de lui et disait: il a sauvé les autres et qu'il ne peut se sauver lui-même. Si le roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu et que Dieu le délivre maintenant. S'il aime, car il a dit: je suis le Fils de Dieu. Les brigands crucifié avec lui l'insulté de la même manière. Nous prenons encore le verset suivant. Matthieu chapitre 28. Nous lisons le verset 2. Et voici, il eut un grand tremblement de terre. Car un ange du Seigneur descendit du ciel. Descendit du ciel. Faire rouler la pierre.
s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair. Et son vêtement blanc comme la neige. Verset 5. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes. Pour vous, ne craignez pas. Car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité. Comme il l'avait dit. Venez. Voyez le lieu où il était couché. Nous lisons la dernière écriture que nous allons lire aussi dans la version Semeur. Mais nous lisons d'abord dans la version de lui, c'est dans Psaume 105. Le verset 17. On dit ceci. Il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans les liens. On les mit au fer. Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé. Ce qu'il avait, Joseph, annoncé. Où la parole de Dieu l'éprouva. Le roi fit ôter ses liens. Les dominateurs des peuples les délivra. Il l'établit seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens. Je suis sûr que vous n'avez pas bien suivi la lecture. Lisons maintenant Seigneur. Il envoya devant eux un homme. Qui est cet homme? Joseph vendu comme esclave. Il chargea ses pieds de chaîne. Son cou d'un carton de fer. Écoutez, jusqu'au jour où s'accomplit ce que Joseph avait annoncé. Alors la parole a prononcé par l'Éternel montra que Joseph avait raison. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et qu'il ajoute l'explication à ces écritures. Et je crois que ces écritures vont vous bénir ce matin. Par la grâce de Dieu. Pourquoi nous avons pris ces écritures? Parce que nous avons un thème qui est la résurrection de Jésus-Christ. Et une autre question vient encore. Pourquoi la résurrection de Jésus-Christ? Pourquoi sa résurrection est autant utile pour nous? Parce qu'il faut savoir une chose. Lorsque Adam est tombé par les péchés, la mort est entrée dans le monde. Par les péchés. Et la mort s'est étendue sur tous les hommes. Et personne sur la terre n'était capable de vaincre la mort. Parce que tous avaient péché. La mort avait quelque chose à réclamer des hommes sous le soleil. La mort était l'homme le plus fort sur la terre. Et personne ne pouvait la vaincre. Que ce soit Abraham,
Dieu avait utilisé, personne n'était capable de vaincre la mort. C'est pourquoi notre premier intervenant ici, il avait donné l'écriture de Hébreux chapitre 2. Il a montré que les gens vivaient par la peur de la mort. Ils étaient retenus par la crainte de la mort. La mort est régnée sur la terre. La mort était comme les ténèbres qui régnaient sur la terre. Et les gens n'avaient pas d'espérance. La mort était pour les hommes un chemin sans retour. C'est pourquoi même le prophète disait, quand nous mourrons, nous allons pour du bon. Nous ne reviendrons pas. C'est le chemin de tous les vivants. Parce que tous les vivants sur la terre étaient retenus par la mort. À cause du péché du premier homme. Parce qu'on dit, oh mort, où est ton aiguillon? Oh mort, où est ta victoire? On dit l'aiguillon de la mort. C'est le péché. Cela veut dire quoi? Pour que le péché puisse, la mort puisse dominer sur toi. La mort a un instrument de guerre qu'elle utilise. C'est le péché. Si le péché est trouvé en toi, rassure-toi que tu ne vaincras pas la mort. Et c'était les hommes de tous les hommes sur la terre. Mais il est un homme, frère, qui est venu sur la terre, Jésus-Christ. Il a dit qu'il est le Fils de Dieu. Il a dit qu'il était le Christ. Parce que le Christ, selon sa nature, il ne meurt point. Le Christ, frère, c'est l'Esprit éternel. Il ne meurt pas. Il est venu dans le monde. Il a témoigné qu'il était la victoire sur la mort. Il a témoigné qu'il était la résurrection et la vie. Et on ne croyait pas en lui. Parce que personne ne pouvait vaincre la mort. Un jour, il a dit aux Juifs, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra pas la mort. Ils lui ont dit, qui es-tu? Qui prétends-tu être? Maintenant, nous savons que tu es un démon. Que tu as un démon. Parce que Abraham est mort. Lui qui avait reçu l'appel de Dieu. Lui qui est le commencement est mort. Les prophètes aussi sont morts. Puissant qu'ils pouvaient être. Mais ils sont morts. Mais toi tu dis, si quelqu'un vient de ta parole, il ne verra pas la mort. Vraiment, ils ont confirmé que Jésus avait un démon. À cause de ces paroles-là. Parce que personne ne pouvait vaincre la mort. On a appelé Belzéboul. On a appelé un imposteur. On a appelé un faux. Quelqu'un qui se fait passer pour une personne et qui n'est pas. Il veut se faire passer pour un homme spécial. Alors, il était vraiment un homme spécial. Il n'avait pas commis de péché, frère. Mais il restait une preuve. Il restait une preuve. Il devait attester vraiment que cet homme était ce qu'il disait. Et cette épreuve-là, c'était l'épreuve de la mort. Il disait à ses disciples, il faut que je marche aujourd'hui. Et le troisième jour, je vais finir. Et puis je vais mourir.
kufa, je serai ressuscité. Ils écoutaient cela. Mais parfois, il disait que cet homme, notre maître, c'est un homme qui est extravagant. Il dépasse les limites. Il écoutait seulement comme ça. C'est pourquoi ces jours-là, frère, lorsqu'on a fait monter à la croix, après l'avoir battu des verges, après l'avoir insulté, après avoir craché sur lui, on a fait monter à la croix. Si tu es fils de Dieu, descends de la croix et nous te croirons en toi. Toi qui sauves les autres, que tu es capable de te sauver. Descends de la croix et nous te croirons. C'était ça l'épreuve de Jésus. Parce que pour dire quoi, si tu es ce que tu prétends être, remporte la victoire sur la mort. Lui seul l'a arrêté. On l'a jugé. On l'a condamné. On l'a crucifié. Personne n'était avec lui. Si vous lisez dans les livres de Marc, les disciples à qui il disait qu'il devait être ressuscité, on dit qu'il pleurait. Ils étaient dans l'affliction. Personne ne disait qu'il avait dit qu'il serait ressuscité. Mais ces jours-là, frère, le grand matin, le Christ est ressuscité. Christ a fait quoi qui? Il est ressuscité, frère. C'était pour montrer qu'il était vraiment l'homme qui disait être. Qu'il n'était pas un pécheur. Qu'il était capable de se sauver, de sauver aussi les autres. Repose sur la résurrection des morts. Parce que les autres n'en ont pas. Les autres mourront pour aller pour du bon. Les autres mourront pour la mort éternelle. Mais nous, combien même nous mourrons, nous serons ressuscités le jour où le Seigneur viendra. Parce que le Seigneur aussi est ressuscité. Mais avant sa résurrection, les gens l'ont traité de tous les noms. Les gens l'ont traité de tous les mots. Mais il restait une preuve. Il était un miracle. Et c'était la résurrection. C'est pourquoi je te dis, si tu es insulté, si tu es méprisé, ne t'inquiète pas. Reste seulement dans la parole. Reste dans la parole de la vie éternelle. La parole qui témoigne la résurrection de Christ. Parce que c'est cette parole qui nous a donné la foi. Vous savez Joseph, il était dans la maison de son père. La Bible dit qu'on a envoyé Joseph devant ses frères. Et ils ont pris Joseph, ils l'ont
haï. Ils ont dit que Joseph était quelqu'un qui dépasse les bornes. C'est un rêveur. C'est un faiseur de songes. Il y a toujours des songes qui montrent que nous, nous sommes ses serviteurs. Quand il s'agit de nous donner une prophétie, ces prophéties vont toujours dans le sens de l'élever, lui. Alors nous, nous sommes ses grands frères. C'est un petit qui vient de naître. On l'a vu comment il est né dans la vie. Ils ont pris Joseph. Ils l'ont vendu en Égypte. Joseph a été vendu en Égypte. Comme un esclave, frère. Alors que tout ce qu'il disait là, calomnié d'être un violeur et qu'il voulait abuser de la femme de son maître. On a pris Joseph, frère. On a jeté en prison. Il est resté là-bas en prison. Je vous dis, Joseph dont nous parlons ici, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Keep on.
résurrection de Christ. Que nous avons la foi. Que notre foi est quelque chose. En quoi? Dans ta foi que tu as. Incapable, frère. Si tu meurs aujourd'hui, nous t'enterrons en nécropole. Frère, la foi que tu as va te ressusciter. Parce que Jésus-Christ est déjà ressuscité. Il est digne de foi. Aujourd'hui, tu rencontres une situation malencontreuse. Ou un accident. Tu nous quittes. C'est vrai comme des hommes, nous allons te plaire. Mais tu es mort avec la foi. Cette foi-là n'est pas petite. Cette foi-là est capable de vaincre la mort. Amen. Ta foi est grande. C'est ça même le but de la résurrection de Jésus-Christ. Il annonçait déjà. Il fallait que la résurrection puisse prouver ses paroles. C'est pourquoi quand il a dit, il est apparu à ses disciples. Il les a reprochés de leur incrédulité. Et parce que aussi n'avaient vu personne être ressuscité. C'est pourquoi aussi c'était dans l'affliction. Mais parce qu'il est ressuscité. Ils ont témoigné Jésus-Christ avec force. Ils ont témoigné que Jésus était la résurrection et la vie. Parce que la résurrection avait prouvé que cet homme-là était juste. Jésus est ici. La résurrection des morts. La résurrection de Jésus-Christ. À part la victoire sur la mort, il donne aussi la foi sur ce monde. La victoire sur les choses de ce monde. Voyez, avant qu'il ne puisse être ressuscité, pour témoigner réellement que cet homme-là est un homme de Dieu, on l'a insulté, on l'a traité de tous les noms, on l'a appelé imposteur. Mais cet homme-là a donné des mérites fermes. Il n'a pas vacillé. Il n'a pas flotté. Il est resté ferme. Il savait que ce qu'il faisait était juste. Et Dieu l'a prouvé par la résurrection. C'est pour que toi aussi que tu aies la foi. Alors, c'est par la foi. Beaucoup, ils ont fermé la gueule de lion. La foi que Jésus-Christ t'a donnée est capable de fermer la gueule de lion qui dit juste. À cause de la résurrection de Jésus-Christ, au-delà de la résurrection qui nous attend, il est capable de fermer la gueule de lion. Il y a des gens qui sont comme des lions. Parce que les méchants sont aussi comme des lions. Les esprits méchants sont comme aussi des lions. Ils régissent contre ta vie. Ils ont seulement un seul objectif. De te dévorer. De faire de toi leur proie. Mais heureusement, Jésus-Christ est ressuscité. Il t'a donné la foi. Et cette foi est capable de fermer la gueule de lion. Il ne faut pas avoir peur des gens de ce monde. Il ne faut pas avoir peur des circonstances. Parce que tu as quelque chose de grand. Tu as quelque chose de très puissant en toi. Ta foi, ce n'est pas seulement pour écouter la parole. C'est pour aussi voir les miracles de Dieu. Les prodiges de Dieu. La foi que tu as par la résurrection de Jésus.
Ce n'était pas le feu de l'explication. Ce n'était pas le feu en expliquant le feu. Non. La fournaise sept fois chauffée. Mais ces hommes-là, ils se sont présentés avec la foi. Ils ont dit notre Dieu peut nous délivrer. Ils sont entrés dans la fournaise. Et il y a un quatrième avec eux. Ils ont marché sur le feu. Et le feu ne les a pas consumés. Si ces gens-là, par la foi, ils ont été la puissance du feu. Ces choses-là, frère, c'est la consolation. C'est toute une vie. Même si tu n'enfantes pas, la foi, tu es capable d'enfanter cette fois au nom de Jésus. Parce que je vis par la foi, les femmes ont enfanté dans cette Bible. Ça doit te consoler. Toi, quand tu t'inquiètes, nous sommes à la fin de l'année. Il y a des gens qui sacrifient les autres. Non, on va me manger par les autres. On a dit, ceci. C'est par la foi qu'ils échappèrent au tranchant de l'épée. On veut vraiment les tuer. Mais il avait la foi en Dieu. Il a fui par la fenêtre. Quand on est venu le trouver comme ça, on a trouvé que ce n'était que les téraphimes. On a trouvé avec la peau de l'animal. Mais lui dans la vie, il s'est enfui par la fenêtre. Il a fui. Ça, c'est la foi. C'est pourquoi il pouvait dire: l'Éternel est ma lumière. Il est mon rocher. Il est mon refuge. Que peut me faire un homme? Que peut me faire un homme? Quelqu'un qui était dans la maison. On l'a cerné de toutes parts, on veut les tuer. Et ils voyaient seulement la maison qu'ils ont cernée. Mais en réalité, l'homme qui était dans la maison était aussi dans les rochers. Et par la foi, Dieu il a sauvé son âme. C'est un homme de foi. David, sa vie. C'était un homme de foi. Quand on l'a envoyé devant ses frères, il est parti pour aller voir ses frères. Il s'est entretenu avec les frères. Directement, il a vu Goliath. Il est sorti pour défier Israël. Et les Hébreux ont fui. Ils ont fui. Israël a fui. Il a regardé. Atali. Pourquoi fuir? Pourquoi ne pas
prévenu. Allez. Qu'est-ce qu'on a promis à la personne qui va tuer cet homme? Dis le roi, il donnera sa fille, il va élever la maison de son père, il va combler, il va aussi le combler de richesses. Amen. Il a entendu. Il a posé la question à une autre personne. Son frère s'est dit. Il a dit, je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. Écoutez ce qu'il dit. Je connais ton orgueil. Ça me plaît beaucoup cette parole. Il était son frère. Il vivait dans la même maison. Et il dit, je connais ton orgueil. C'est là que David est depuis la maison. Quand quelque chose est difficile, lui dit toujours que je le ferai par la grâce de Dieu. Son frère le connaissait. Il dit, je connais ton orgueil. Parce que la pensée de son frère, c'était quoi? Donc nous tous, nous sommes ici. On n'a pas pu vaincre cet homme-là qui sort. Mais toi, petit enfant comme ça, tu veux vaincre Goliath. Nous, tes frères, nous fuyons. Je connais ton orgueil. Un chrétien, c'est un homme orgueilleux. Par l'éternel. Par Jésus-Christ. Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est de pouvoir les combats qui tu as. Il ne veut trop les combats. Il se disait quoi? Que j'essaie d'abord la force de l'éternel. C'est pour voir les combats que tu es venu. Alors, lorsqu'il a entendu cela, ne puis-je pas parler ainsi? Vraiment. Ne puis-je pas parler ainsi? Et il s'est détourné de lui. Il faut apprendre à te détourner de certaines personnes. Mais on est découragé. Je connais ton orgueil. Je connais ta malice. C'est plus fort les combats. C'est le tout deuxièmement. Moi j'ai des choses que je ressens. Je sens que si je prie, ça va changer. Là j'ai déjà dépassé. Donne-lui le dos. Les gens qui ont la foi ne donnent pas les oreilles à tout le monde. Les gens qui ont la foi, ils ne donnent pas les oreilles à tout le monde. Ils se détournent. Quoi? Moïse, frère. Moïse, c'était le pharaon. Ils nous ont sortis. Ils sont sortis. La Bible dit, c'est par la foi. C'est par la foi. Ils sont sortis de l'Égypte. Sans avoir peur de la colère du pharaon. Sans voir, hein, comme
comme un voyant. Comme un voyant. C'est lui qui est invisible. C'est ça la foi. Donc quand Moïse sortait de l'Égypte, il n'a pas reçu une vision, il voit Dieu en train de se tenir là. Non. Mais c'est pas sa foi là représentait Dieu. Tu as peur. On dit ce qui a triomphé de ce monde, c'est notre foi. Sans la foi, tu ne vivras pas ici, ma frère. Tu dois croire que Dieu est capable de tout. Il est capable de changer ta situation. Parce que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, vit ressuscité. Et il vit éternellement. Et il a donné la foi en son nom. La parole de la foi qui s'est morte. Crois seulement. Crois seulement. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis encore ce matin. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.